Dès lors que nous nous trouvons dans un environnement où l'on ne peut s'exprimer librement, des gestes viennent naturellement suppléer l'absence de parole. Que ce soit dans un endroit bruyant ou bien dans un lieu de silence, tous nous avons utilisé des gestes évocateurs, codifiés ou spontanés, pour pallier l'incommunicabilité. Mais il est des situations où cette expression gestuelle est vitale. Donc en fait, quand l'infirmière va installer la sonde, elle mesure du nez jusqu'au niveau de l'oreille et de l'oreille jusqu'au niveau de l'appendice diphonique. Donc on clampe à l'aide de ce dispositif, on remplit la chambre et on prend bien la précaution de purger la totalité de la tubulure. Mais surveiller le comportement du patient. Comment il vit la mise en place de cette sonde. Il peut s'entortiller au fond de la gorge, la sonde. En France, la Croix-Rouge est le seul établissement qui accueille, dans le cadre d'une formation sanitaire, des malentendants sourds. Ils sont au nombre de 5 sur une promotion de 55 élèves. Cet accueil de malentendants sourds sera reconduit l'année prochaine puisque c'est un projet qui doit durer 3 années consécutives. On a dû intégrer des aménagements dans la façon de concevoir la séquence pédagogique. Disons qu'on insiste un peu plus sur les supports visuels et puis un support papier remis systématiquement parce qu'ils ne peuvent pas à la fois observer le formateur et en même temps regarder l'interprète. Ça les exonère d'une prise de notes qui pourrait perturber la compréhension. C'est vrai que quand je suis rentrée à l'école, on ne m'avait pas prévenu que je serais avec des personnes malentendantes et sourdes. Donc on est arrivé, on s'est installé en classe, on a vu un interprète et on a trouvé ça bizarre. Donc après on a compris qu'il y avait des personnes sourdes dans la classe, elles étaient mises devant. On a été un peu hypnotisées par les signes, on était là à regarder, à essayer de déchiffrer les mots par rapport à ce que disait l'enseignante et on a eu beaucoup de curiosité. Et un peu de peur aussi à aller leur parler, mais ça s'est fait très rapidement et en fait, ça s'est très bien passé. Je pense que la surdité, c'est pas un handicap pour eux. Ça peut plutôt être un handicap pour nous envers eux parce qu'on sait pas trop comment s'exprimer, mais eux, ils comprennent beaucoup de choses sans qu'on leur parle en fait.